Nous sommes le 19 mars 1988, nous sommes sur Milan-San Remo. 294 km au menu, un parcours traditionnel avec le Passo Turchino, les petits capis, ensuite la Cipressa et le Poggio et la Via Roma pour l'arrivée. Et donc nous sommes avec le dernier membre de l'échappée matinale de la formation Fagor avec son dossard numéro 70. Derrière, il y a déjà un peloton qui est presque en train de revenir dessus puisque les formations des favoris essayent de placer au mieux leur leader, puisqu'on va attaquer la fameuse Cipressa. Et dans cette ascension, d'abord, le dernier homme de tête a été repris, et ensuite on va voir une accélération, notamment de Greg LeMond et de Laurent Fignon, deux anciens vainqueurs du Tour de France. Pour l'Américain, c'était en 86, de la formation PDM, et Laurent Fignon, de la formation Système U, Gitane, lui l'a remporté en 83 et 84. Vous voyez, ce petit groupe de 7 coureurs va être repris peu avant l'arrivée au sommet de la Cipressa, et 3 coureurs vont donc passer le sommet et attaquer la descente de cette ascension pour essayer de creuser une petite avance, parce qu'après c'est le bord de mer, il y a une dizaine de kilomètres avant d'attaquer le Poggio. Ces trois coureurs, il s'agit d'un Italien, Enrico Ganetti, le champion de France de la poursuite, Thierry Marie, et le 8ème de la FC God Race 87, Bruno Cornillet. Leur avance ne va pas dépasser les 30 secondes sur un peloton, encore emmené par cette équipe PDM, qui a donc comme leader Steven Rooks, vainqueur de la FC God Race 86, et deuxième du Het Volk 87. D'ailleurs, vous allez voir que ces hommes de tête, ce trio, qui a pourtant un excellent rouleur, hein, Thierry Marie, va être repris avant d'attaquer la Cipressa. On voit aussi la formation Carrera donner un coup de main à l'équipe PDM, tandis que la casse de Sean Kelly, elle, est très bien positionnée pour emmener son leader irlandais pour essayer de remporter une nouvelle édition de Milan-San Remo. Nous sommes à l'amorce donc du Poggio. Vous voyez que le peloton a un petit peu diminué, mais d'autres coureurs vont revenir. Et ensuite, on va avoir un peloton d'une trentaine de coureurs amorcer le pied du Poggio. Cependant, dans ce Poggio, déjà 9 coureurs vont se dégager. Laurent Fignon, Maurizio Fondrias, 6ème de Tirreno Adriatico, Steven Rooks, Rocciori, Sean Kelly, bien sûr, Calcaterra, Van Der Poel et Mechler. Et sur le haut de l'ascension, avec le passage le plus difficile, Laurent Fignon, 5ème de Paris-Nice, 7ème du Tour de France 87, avec une victoire d'étape notamment sur cette dernière grande boucle, va partir tout seul. Le coureur français, donc le leader de la formation Système U-Gitane, sait qu'il doit tenter sa chance sur ce Poggio pour essayer de distancer un coureur rapide comme Van Der Poel, mais aussi Sean Kelly. Et sur le haut du Poggio, il va être rejoint par l'Italien de la formation Alfa Loom, Maurizio Fondrieste. Ces coureurs ont une petite dizaine de secondes d'avance sur le sommet du Poggio, sur les 7 hommes de chasse. Ensuite, on va voir que Fignon est moins à l'aise que Fondrieste dans la descente. C'est surtout Fondrieste, avec son maillot vert, qui va emmener ce duo dans la descente vers San Remo et vont résister au retour du groupe de chasse. Et Laurent Fignon, puisque derrière Stephen Rooks tente sa chance, Laurent Fignon bat Maurizio Fondrieste et inscrit pour la première fois de sa carrière Milan-San Remo. Fondrieste deuxième, troisième Steven Rooks, quatrième Rocioli, cinquième Sean Kelly, sixième Calcaterra, septième Van Der Poel et à 10 secondes le peloton réglé par Giuseppe Petito. Ciao tout le monde.